Bonjour mes chéris. Allez, aujourd'hui une petite histoire que vous connaissez déjà. Les trois souris peintres. On ouvre la porte des histoires. Trois souris peintres. Il était une fois trois petites souris blanches sur une feuille de papier blanc. Bien sûr, le chat ne les voyait pas. Un beau jour, pendant que le chat dormait, les souris blanches voient trois pots de peinture, un rouge, un jaune, un bleu. Comme c'est beau, se disent-elles, et chacune saute dans un pot. Quand elles en sortent, il y a une souris rouge, une souris jaune et une souris bleue. Sur la feuille de papier, des gouttes de peinture ont coulé. Sur le blanc, on voit de jolies taches rouges, jaunes et bleues. La souris rouge se met à danser sur une tache jaune. Ses pattes dessinent mille raies rouges. Et puis soudain, elle dit aux deux autres souris « Hé, regardez, mes pattes rouges dans une tache jaune, cela fait de l'orange. » La souris jaune saute sur une tache bleue. Ses pattes s'agitent et se mélangent et mélangent les deux couleurs. Soudain, la souris rouge et la souris bleue s'écrient « Regarde, tes pattes jaunes dans une tache bleue, cela fait du vert. » Enfin, la souris bleue saute sur une tache rouge. Elle éclabousse la feuille dans ses patauges. Et les trois souris s'écrient « Regardez, des pattes bleues dans une tache rouge, cela fait du violet. » Sur leur part et leur fourrure, la peinture commence à sécher. Les souris deviennent toutes raides. Alors elles prennent un bain dans l'écuelle du chat et redeviennent blanches comme de la neige. Ensuite, elle s'amuse à peindre la feuille de papier, une bande rouge, une bande jaune. Et une autre bande bleue. Puis, elle mélange de la peinture rouge et de la peinture jaune pour faire une bande orange. De la peinture jaune et de la peinture bleue pour faire une bande verte. Et de la bleue et de la rouge pour faire une bande violette. Mais elle n'oublie pas de laisser un peu de blanc à cause du chat. On ferme la porte des histoires. À bientôt!